Ami Archer, bonjour, ici Torgrim, Torgrim Chasse. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit système que j'ai acquis dernièrement, absolument génial, pour maintenir les flèches sur un arc traditionnel. Souvent, le problème qu'on a, c'est que quand on met la flèche sur le tapis d'arc, si jamais on est sur, on pose notre arc sur une branche ou pour, en temps de pause en attendant les animaux ou depuis sur un tristan, on est toujours inquiet de se dire mince, la flèche peut tomber à tout moment. Et bien avec le petit système qui se trouve ici, donc rassurez-vous, il n'est pas vissé sur l'arc. Hein. C'est un système de caoutchouc 3M qui est collé dessus et la vis permet juste de régler la sensibilité de ce système qui est pivotant, donc gaucher et droitier, que vous pouvez mettre soit devant l'arc, soit derrière, comme vous souhaitez. Et en fait, ce système, quand vous allez mettre votre flèche, hop, et là, c'est pas évident. Voilà, hop, vous voyez, tac, alors j'essaie de faire mieux pour... Hop, ça vient emprisonner la flèche, ce qui fait que votre flèche, elle tombe plus. Voyez, hop, là je suis à pratiquement 90 degrés et elle bouge pas. Donc là c'est peut-être pas assez serré, il faudrait que je resserre peut-être un peu plus. Mais l'avantage, c'est que elle maintient. Et alors, l'ingénieux système fait que quand vous armez, ça maintient, ça guide toujours votre flèche. Et à la décoche, hop, ça saute et ça ne change pas la trajectoire de votre flèche. Donc votre flèche reste toujours bien comme vous aviez réglé votre arc. C'est un petit système qui est vendu par 3D River Archery. C'est une archerie anglaise. Ça coûte 10 euros à peu près, donc c'est absolument génial. Ça se monte sur tous les arcs, tout type d'arc traditionnel, voire éventuellement sur un compound hein, si vous le souhaitez. Pourquoi pas, plutôt que de vous éviter d'avoir soit un effacement, soit un biscuit, mettre ce système là, c'est parfaitement compatible. Ça ne pèse rien du tout. C'est une petite pièce de plastique préformée, donc ça pèse rien du tout, quoi. C'est vraiment génial. Et voilà. Et puis, je vais vous faire une petite démonstration de tir avec le système engagé. Comme ça, vous verrez que ça ne bouge pas la trajectoire de la flèche. Voilà. À tout de suite pour l'essai de tir. Voyez, bon là c'est un 50 livres hein, donc à moins de 4 mètres là, c'est normal que la trajectoire elle monte un petit peu. Voilà, et en fait vous voyez le système s'est redressé pour libérer la flèche, il l'a fait d'office, donc il n'y a aucun problème et ça ne gêne pas la trajectoire de la flèche qui ne part pas dans n'importe quelle direction. Voilà, merci beaucoup, à plus tard.